Mais si vous parlez d'économie wallonne, ça évoque chez moi le dynamisme, l'esprit d'entreprise, etc. Une grande évolution sur quelques années. L'économie wallonne pourrait être un peu plus haute si nous n'étions pas envahis. Après avoir établi un diagnostic sur la croissance et l'emploi en Wallonie dans notre émission précédente, nous allons aujourd'hui opérer de même pour les finances publiques. Ensuite, nous ouvrirons la réflexion sur des pistes d'action, de politique économique. Les finances publiques occupent une place importante dans notre vie quotidienne, mais nous sommes nombreux à ne nous rendre compte de leur importance qu'à certains moments précis, particulièrement lors du recouvrement des impôts. En fait, nous consommons tous les jours des services publics financés de manière significative par la collectivité. Enseignement, santé, infrastructures, sécurité, loisirs, culture, qualité de l'environnement, etc. Ces différents services sont de la responsabilité de différents niveaux de pouvoir qui demandent tous un financement spécifique. Savez-vous par exemple qu'un citoyen adulte habitant en Wallonie dépend de 7 niveaux de pouvoir et, directement ou indirectement, contribue au financement de chacun d'entre eux? Si on veut les citer sans nécessairement mettre d'ordre hiérarchique entre eux, le citoyen wallon doit payer des impôts à sa commune, à la province, à la région, indirectement à la communauté, et puis au niveau national, à l'État fédéral, et encore au-dessus, il finance indirectement les communautés européennes et certaines institutions supranationales comme l'ONU, l'OMC, etc. Si on fait le total, ça veut dire qu'on arrive vite à des limites. On arrive à une pression fiscale assez importante, qui est difficile à chiffrer, parce que, justement, à cause des effets indirects, il est difficile de savoir exactement ce que le citoyen paye, par exemple, aux instances supranationales ou à la communauté européenne. Mais nous connaissons nos niveaux de fiscalité qui sont impressionnants. Cette évolution remonte au lendemain des années 40-45, car en Belgique, auparavant, on ne connaissait que 3 niveaux de pouvoir imbriqués : la commune, la province et l'État. Nous nous intéresserons aujourd'hui dans cette émission aux finances publiques du niveau régional, c'est-à-dire les finances publiques de la région wallonne et de la communauté française. Dans un premier temps, nous mettrons l'accent sur l'affectation des dépenses. Pour la communauté française, consultons son budget initial 1998. Services généraux, plus de 11 milliards, soit 4,6%. Santé, affaires sociales, culture, audiovisuel et sport, plus de 25 milliards, 10,8%. Éducation, recherche et formation, plus de 178 milliards, soit 73,7%. Dette publique de la communauté française, 8,5 milliards, soit 3,5%. Enfin, dotation à la région wallonne et à la communauté francophone de Bruxelles, plus de 17 milliards, soit 7,4%. C'est de loin l'enseignement, éducation, recherche et formation qui consomme la plus grande part des dépenses, avec plus de 70% d'un total de près de 242 milliards de francs en 1998. Quant à la région wallonne, ces dépenses se répartissent comme suit. Dépenses générales et particulières, plus de 18 milliards. 10,1%. Réserves naturelles, environnement, aménagement du territoire et logement, agriculture et milieu rural, plus de 15 milliards, 8,6%. Économie, emploi, formation professionnelle, technologie et recherche, relations extérieures, plus de 41 milliards, 22,7%. Les pouvoirs locaux, plus de 40 milliards, 22,1%. L'équipement et le territoire, plus de 32 milliards, soit 17,6%. Action sociale, santé et tourisme, plus de 18 milliards, 10%. La dette, plus de 16 milliards, pour 8,9%. Ainsi, les dépenses de la région wallonne sont plus diversifiées. Ce sont les transferts aux pouvoirs locaux, la politique économique et de l'emploi qui absorbent près de la moitié d'un budget de 184 milliards de francs en 1998.
Ces montants importants de dépenses doivent, bien entendu, être financés. Dans le cas particulier des régions et des communautés belges, ce financement peut provenir de plusieurs sources. Les dotations, les moyens fiscaux et l'emprunt. La source principale de financement des régions et communautés sont les dotations transférées par l'État fédéral. On parle aussi d'impôts partagés. Il est impossible, dans le cadre de cette émission, de détailler, même grossièrement, les mécanismes complexes de ces lois et accords de 1989. Disons simplement que les dotations sont calculées selon certaines clés et suivant l'évolution de paramètres exogènes comme les natalités, le taux de croissance du produit national brut, les taux d'intérêt, le taux d'inflation, etc. En région wallonne, ces parties attribuées à l'impôt représentent pour 1998 87,5% des recettes fiscales de la région. Pour la communauté française, le transfert s'élève à près de 99%, soit presque la totalité des recettes prévues. Une autre source importante des recettes provient des moyens propres fiscaux ou non. Les régions et les communautés disposent en effet du pouvoir fiscal. Certaines taxes et redevances, autrefois perçues par d'autres niveaux de pouvoir, principalement l'État central, sont aujourd'hui, en tout ou en partie, du ressort régional. Citons par exemple les taxes sur les jeux, les débits de boissons, les additionnels régionaux aux précomptes immobiliers, les droits de succession, taxes sur les appareils automatiques et les redevances sur la consommation d'eau. La troisième et dernière source de financement est bien entendu l'emprunt. Tout comme l'État fédéral et les autres niveaux de pouvoir, les régions et les communautés ont le droit d'emprunter pour financer un écart entre recettes et dépenses ou pour réaliser des investissements. Cependant, l'expérience vécue au niveau fédéral, avec le fameux effet boule de neige, a incité le législateur à limiter le pouvoir d'emprunt des entités fédérées. C'est ainsi que le Conseil supérieur des finances fixe à intervalles réguliers une norme à respecter pour chacune des communautés et des régions. La maîtrise de l'emprunt et donc de l'endettement est à la fois une contrainte pour les entités fédérées, mais également un critère selon lequel on peut évaluer la rigueur de la gestion financière des régions et des communautés. L'évolution des recettes et dépenses de la région et de la communauté ont plusieurs caractéristiques. D'abord, une grande stabilité ou plutôt une grande inertie. Au niveau des entités fédérées, nous avons très peu de marge de manœuvre, de degré de liberté dans la ventilation dépenses. Et donc, beaucoup de dépenses, comme, je vais citer évidemment les plus marquantes, comme les salaires des enseignants à la communauté française ou l'entretien des infrastructures au niveau de la région, sont des dépenses récurrentes, très fixes, très stables, qui se reproduisent d'année en année et sur lesquelles on dispose de très peu de marge de manœuvre. Oui, on a l'impression que les politiques doivent gérer un catalogue de contraintes. Je pense que oui, très clairement, il y a très peu d'autonomie. Ce manque d'autonomie provient d'une part de la loi qui fixe évidemment les contraintes dans lesquelles les autorités fédérées doivent exercer leur pouvoir fiscal, mais il y a d'autres contraintes. La communauté française, par exemple, de par sa définition même, est fort limitée dans l'exercice de son pouvoir fiscal. Parce qu'elle n'a pas de territoire, à proprement parler. Parce qu'elle n'a pas de territoire et qu'il est très difficile de distinguer, particulièrement à Bruxelles, quels sont les... le recensement étant interdit, quels sont les francophones qui devraient financer les services qu'ils consomment auprès de la communauté. Et enfin, il y a d'autres contraintes économiques et financières qui pèsent sur l'exercice du pouvoir fiscal des entités fédérées. Trop de pression fiscale induit des coûts salariaux, par exemple, très importants et donc un effet pervers sur l'emploi qui est à éviter. Oui, et d'autre part, comment l'impôt peut-il avoir un effet sur l'emploi ? Eh bien, l'impôt peut avoir un effet sur l'emploi parce que des augmentations d'impôts se traduisent le plus souvent en revendications de hausse salariale chez les travailleurs qui veulent récupérer la perte de pouvoir d'achat. Ces hausses de salaire négociées amènent forcément, disons, une substitution de capital au travail puisque le coût du travail se renchérit par rapport aux autres facteurs de production et dès lors un accroissement du chômage s'ensuit. Pour gérer et prendre des décisions, on peut utiliser des outils d'analyse comme les simulations. Ainsi, le Centre de recherche sur l'économie wallonne a réalisé deux simulations.
la première pour la région wallonne et la seconde pour la communauté française. Pour la région wallonne, on considère que les dépenses vont croître selon le produit national brut du royaume. Cette hypothèse correspond à une opinion partagée selon laquelle, si on suit le rythme de croissance du PNB, on ne commet pas de folie. Mais la simulation montre qu'il s'agit d'une situation intenable, tout simplement parce que les recettes ne suivent pas le rythme du produit national brut. Aussi, notre endettement potentiel s'alourdirait rapidement pour atteindre plus de 500 milliards de francs en 2010. Le solde net à financer, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, y compris les charges d'intérêt, se dégrade rapidement car les recettes ne peuvent croître suivant le même rythme. Pour la communauté française, la même hypothèse s'applique plus difficilement. Nous avons plutôt considéré une évolution des dépenses qui correspondrait aux recommandations du Conseil supérieur des finances. Malheureusement, même en suivant ces recommandations, les graphiques montrent bien l'évolution du solde net à financer et de l'endettement en communauté française de Belgique. Il faut dire aussi qu'une simulation, ce n'est pas une prévision. Une simulation, c'est ce qui se passerait si on ne faisait rien. Exactement. Donc, cette simulation, nous espérons en tout cas, celle pour la région là, nous espérons qu'elle ne se réalisera pas, bien entendu. Mais c'est ce qui pourrait arriver si on ne faisait pas attention. Il sera donc nécessaire de continuer à gérer les finances publiques avec rigueur, tout en étant créatif et en envisageant de diminuer les dépenses là où elles apparaissent comme étant sans doute non nécessaires. En effet, dans certains postes, nous dépensons par habitant bien plus qu'ailleurs. Mais y a-t-il des domaines où nous pourrions dépenser davantage? Il y a des domaines où nous pensons qu'il serait absolument nécessaire de dépenser plus. Des carences dans la mobilité des travailleurs, dans la formation des jeunes, dans les dépenses sociales et culturelles sont apparues et il semble que ce sont des postes dans lesquels des efforts sont à faire pour s'attaquer en priorité au problème le plus important de la région, qui est le problème du chômage. Je dirais peu de travail. Les technologies nouvelles. Disons qu'en Wallonie, on est très fort. Enfin, dernier mot, issu de notre dictionnaire de l'économie, politique économique. En effet, soucieux de proposer des pistes d'action pour l'économie wallonne, nous retrouvons nos trois économistes. Robert Deschamps, qu'est-ce qu'on peut faire en particulier en matière d'emploi en Wallonie ? Bien, pour l'emploi comme pour la croissance, il y a trois pistes privilégiées qui découlent de ce que les économistes ont analysé dans les pays industrialisés qui se développent. Trois pistes. Un, l'investissement en capital matériel et immatériel des entreprises. Deux, la recherche et développement. Et trois, le capital humain. Et ces trois pistes se renforcent l'une l'autre, aussi bien en faveur de la croissance économique qu'en faveur de l'emploi. Reprenons ces pistes dans l'ordre. Michel Mignolet avait évoqué l'investissement en région wallonne. On investit relativement moins en Wallonie par rapport au reste du pays, signalait-il. Quelles sont donc les pistes pour la relance des investissements locaux et étrangers ? En ce qui concerne l'investissement local, on observe que les créations d'entreprises en Wallonie ne sont pas relativement plus faibles que celles qu'on observe ailleurs dans le pays. Par contre, la vraie difficulté, elle résulte des disparitions d'entreprises qui, elles, apparaissent plus nombreuses au sud du pays que dans le reste du pays. Donc des faillites. Des faillites, c'est bien de cela qu'il s'agit, en particulier de sociétés jeunes dont l'âge est inférieur à 5 ans. Pareil diagnostic suggère de renforcer en Wallonie le rôle du fonds de garantie pour soutenir le développement des PME dans leur première année d'existence. Qu'en est-il à présent des investissements étrangers ? Exemple, une firme allemande construit une usine en Wallonie. Il s'agit là d'un investissement étranger. Eh bien, le bénéfice de cette usine en Wallonie sera taxé une première fois par le fisc belge. Il viendra gonfler le bénéfice du groupe et sera à nouveau imposé en Allemagne. Pour atténuer la double imposition des bénéfices, la plupart des pays ont signé des traités bilatéraux. C'est le cas notamment de l'Allemagne et de la Belgique. Ces traités diffèrent toutefois les uns des autres. Aussi, pour évaluer l'efficacité des instruments de politique économique appelés à soutenir l'investissement, y a-t-il lieu de prendre en considération la taxation internationale ? En fait, on observe qu'il y a deux grandes catégories d'outils. Il y a d'une part les aides publiques
qu'elles soient fiscales ou financières. Parmi les aides fiscales, nous avons des dispositifs du type déduction pour investissement, amortissement accéléré, centre de coordination, société novatrice, etc. On a toute forme de détaxation du revenu de l'investissement. Et on a d'autre part des aides à l'investissement qui prennent la forme d'une subvention en capital. Ou d'un subside, quoi. D'un subside, donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Absolument. Alors, en fait, il faut savoir que selon l'investisseur, un instrument se révèle plus efficace qu'un autre, en raison précisément des dispositifs de fiscalité internationale. Et donc, il n'y a pas de régime qui soit universel. Il faut, en l'occurrence, ici, choisir l'instrument qui est le plus approprié au cas. Un outil ou bien un autre, selon le cas. C'est exactement ça. Vous dites que tantôt, il faut jouer sur les subventions aux investissements, tantôt, il faut jouer sur la fiscalité. Est-ce que c'est indifférent ? Est-ce qu'en Wallonie, on fait l'un ou l'autre, ou l'un plutôt que l'autre ? Eh bien, curieusement, quand on observe la statistique d'utilisation des aides publiques, on observe qu'en Wallonie, on utilise principalement les subventions en capital. Et les subventions en capital sont un dispositif qui sont mis à charge de la région wallonne, qui en supporte la totalité du financement. Il faut savoir que les subventions en capital gonflent le bénéfice taxable des firmes, puisque la subvention en capital n'est pas exonérée d'impôts. Et donc, à ce titre, une partie de ce qui est donné par la région se trouve prélevée ultérieurement par l'État fédéral. À l'opposé, du côté flamand, nous avons principalement des aides qui sont à caractère fiscal. Et dès lors, on se trouve dans la situation où les entreprises flamandes utilisent surtout des dispositifs d'aide dont la charge est supportée par le pouvoir fédéral, c'est-à-dire par tous les contribuables belges. Oui, absolument. Robert Deschamps, vous avez parlé, vous, d'investissement en capital humain, c'est-à-dire en formation. Oui, le capital humain, c'est plus largement les efforts accomplis dans le domaine de la formation et de l'éducation, en ce compris la formation des chômeurs, en ce compris également la formation sur le lieu de travail. Oui, on voit par exemple qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas dans les petits métiers qu'on a créé des emplois, c'est aussi des métiers très qualifiés. Ça veut dire qu'il faut faire des formations très qualifiantes. Oui, exactement. Quand on observe la situation de pays industrialisés qui se développent et qui créent des emplois, vous avez cité le cas des États-Unis, c'est également le cas des Pays-Bas, ce sont en général et surtout des emplois de personnes plus qualifiées. Oui. Alors, il faut développer ces formations et dans l'enseignement et dans l'entreprise. Oui, je crois qu'il faut faire l'ensemble parce que quand on examine ces enjeux, donc je viens d'en citer un sur le cas de pays industrialisés qui se développent et qui créent des emplois, ce qu'on observe également, c'est qu'en Belgique, le taux de chômage est relativement bas pour les personnes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, si l'on se compare aux autres pays industrialisés. Deuxièmement, en Belgique, nous avons trop peu de personnes qui ont un diplôme d'enseignement secondaire complet, de nouveau en comparant avec les pays voisins. Donc on a une pénurie de personnes qualifiées, à la fois au niveau de l'enseignement, que donc parmi la population active. Est-ce qu'on a une idée des proportions ? Parce que des choses se font déjà. Il y a des écoles secondaires, il y a des formations organisées par le Forum, il y a des formations organisées en entreprise. Est-ce que vous avez une idée du niveau qu'il faudrait atteindre ? Mais la réponse à votre question, c'est d'augmenter le niveau général de formation du maximum de personnes possibles. Et pour ça, c'est une intervention directe des finances publiques qu'il faudrait ? Oui, ce qu'il nous manque chez nous, c'est tout d'abord dans le domaine de la formation des adultes, et en particulier des adultes chômeurs. Nous avons, surtout en Wallonie, beaucoup d'adultes chômeurs, et malheureusement chômeurs depuis longtemps. C'est d'abord chez eux qu'un effort important doit être accompli dans le domaine de la formation. Oui, mais alors, quelle formation faire ? Puisque, par exemple, on ne sait pas très bien quels investissements on va chercher. Comment va-t-on former les gens et dans quelle direction ? Bon, en ce qui concerne le type de formation que l'on doit faire, il faut bien distinguer des formations de type plus général, qui devraient normalement plutôt être prises en charge par les pouvoirs publics, oui, et des formations plus professionnelles, l'enseignement, mais également des formations de remise dans le milieu de travail de chômeurs, surtout lorsqu'ils ont été chômeurs depuis une longue période ou lorsqu'ils n'ont pas obtenu un diplôme suffisant. Ce qu'on fait dans les forums, par exemple. Oui, mais il y a également les formations de type professionnel où on apprend à travailler directement sur un outil où, plus normalement, ces formations devraient se faire dans ou en collaboration avec les entreprises. Jean-Charles Jacquemin, vous êtes le spécialiste des finances publiques. Robert Deschamps vient d'indiquer une utilisation des finances publiques en matière de dépenses.
Oui, je tiens à rappeler que l'enjeu principal des finances publiques dans nos deux entités fédérées est tout d'abord de maintenir un niveau de dépenses qui ne dépasse pas les possibilités de ces deux entités. Nous avons vu que les risques de dérapage étaient importants. Et dès lors, il importe de faire surgir des marges de manœuvre qui permettent le financement des politiques qui viennent d'être évoquées. Alors supposons qu'on les ait, ces marges de manœuvre. Est-ce que ce sont là des dépenses qu'il faudrait augmenter en région wallonne? Ce sont des classes de dépenses qu'il faudrait augmenter, mais sans doute, pour maintenir la contrainte globale, faudrait-il diminuer d'autres dépenses. À cet égard, des études que nous avons menées par le passé montrent qu'en Wallonie, nous dépensons plus dans certains postes que dans le reste du pays. Ces postes sont particulièrement l'administration ou la tutelle des pouvoirs locaux, qui des dépenses qui pourraient sans doute être réduites au profit des politiques que l'on vient d'évoquer. Administration, ça veut dire le ministère de la région wallonne, donc l'administration générale? Ça veut dire l'administration générale, dépenses de cabinet, dépenses d'administration générale. Oui, c'est exactement ça. Elle coûte fort cher par habitant, par rapport, par exemple, à Bruxelles ou à la Flandre? Eh bien, on peut considérer que, évidemment, ça, cela dépend des postes, mais on peut considérer que nous avons de l'ordre de 50% de dépenses supplémentaires par habitant par rapport aux autres régions du pays. Donc voilà une recette que l'on peut trouver facilement, oui. Ou plutôt une dépense que l'on une peut réduire facilement. Une non-dépense que l'on peut réaliser, absolument. Oui. Mais dans les recettes, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des recettes supplémentaires? Eh bien là, nous sommes quand même relativement limités, d'une part par la loi de financement qui ne donne pas toute possibilité à la région. Là, on ne peut pas taxer deux fois la même matière, par exemple. D'autre part, si la région exerçait son pouvoir fiscal, nous avons pu montrer aussi qu'une augmentation, notamment des additionnels à l'impôt des personnes physiques, aurait des effets pervers importants sur l'emploi. Et donc, il faut être extrêmement prudent du côté de l'augmentation de la fiscalité propre régionale, parce que les effets positifs que ça pourrait avoir sur les finances publiques seraient annihilés par les effets pervers que cette politique pourrait avoir sur l'emploi particulièrement. On pourrait bien entendu financer aussi le dégagement de marge de manœuvre par l'emprunt. Cette solution n'est pas recommandée quand on connaît la forte sensibilité de la situation des finances publiques à cette variable. Un développement rapide d'un effet boule de neige s'ensuivrait, impliquant que des charges d'intérêt prennent la place de dépenses utiles comme nous le subissons au niveau fédéral depuis plusieurs années. Soulignons cependant la faiblesse relative des dépenses par habitant consacrées aux relations extérieures ainsi que aux dépenses sociales et culturelles. Cette observation, couplée aux précédentes et à l'exemple flamand, montre qu'il est possible de pratiquer d'autres politiques. Deux idées principales sont à mettre en avant. D'une part, le nécessaire rééquilibrage des dépenses entre les différents postes, diminution des dépenses administratives et dotations aux pouvoirs locaux, particulièrement aux provinces, augmentation des dépenses consacrées aux relations extérieures ainsi que aux affaires sociales et culturelles. D'autre part, une réflexion est à mener sur d'autres modalités d'utilisation des moyens fiscaux. Ici encore, l'exemple flamand qui privilégie l'aide à toute activité économique créatrice de valeur ajoutée et d'emploi devrait servir de référence.